Bon matin tout le monde, ça fait tellement longtemps que je n'ai pas vlogué. Là je suis sortie de la douche, je m'excuse ma vieille toque. Puis habituellement je prends genre jamais ma douche le matin. Mais hier il était 8h, 8h30 à peu près, puis on avait plus d'eau chaude. Puis mon chum était déjà dans la douche, puis là il m'a dit il n'y a plus d'eau chaude. Je suis là, ok, ben, je vais prendre ma douche demain matin. Fait que j'ai pris ma douche un matin. Puis là, ben habituellement je me mets tout en alarme à 8h du matin pour tout à me réveiller puis avoir ma journée au complet de libre. Mais là, hier, on s'est quand même couché tard, puis je me suis dit, oh, ce matin, ça va être la grosse matinée, puis je me suis pas mis d'alarme. Fait, je me suis réveillée comme à 10h30. Un bout que je me suis pas. Hey, ma toque, là, elle pendouille un peu, elle va pas du tout. Mais c'est ça. Fait que là, dans le fond, je suis restée jusqu'à 11h, j'allais me laver, les rendus 11h30. Fait qu'on va s'activer parce que déjà la moitié de la journée est faite, puis j'ai rien fait maintenant. Le bacon, je l'ai un petit peu oublié, puis le feu il était fort. Fait que je l'ai un petit peu oublié. Jamais mettre ça au feu fort. Mais je m'excuse. Oh, je voulais être en train de cuire doucement. Là. Puis mon montant, on va mettre du beurre dessus. Non, dans le mayo. Oh, j'aime trop le mayo. Parce que je t'ai dit, je faisais un vlog. Ça fait partie de mon vlog. Non. Oh oui. Non. Oh oui. Non. Je t'ai sorti un fromage, je sais pas si t'en veux plus. Là on se reparle et il est rendu 3h. Ça fait vraiment un bout que je sais pas parler. Dans le fond, un matin, j'ai fait à déjeuner. Puis après ça, on est parti, moi et mon chum, porter un colis parce que dans le fond, on avait commandé un. C'est comme un matelas mousse-mémoire, genre. Puis on a commandé un double. Sauf qu'on a reçu un lit 5, fait que c'est clairement trop petit. Fait que on l'a renvoyé dans le fond à la mère à mon chum, puis elle va s'occuper de le renvoyer à la compagnie. Puis inquiétez-vous pas, on négocie à l'extérieur, je reste dans l'auto, je suis pas rentrée dedans. On a respecté les règles. C'est ça, quand je suis revenue à l'appartement, là je m'excuse avec le chauffage, je sais pas si vous m'entendez bien. J'ai baissé un petit peu. Mais ouais, après ça, quand on est retourné à l'appart, moi je me suis. J'ai les ongles vraiment mous, ok, naturellement, là, comme il n'arrête pas de casser, j'essaie de pas m'éranger. Puis quand j'essaie de les faire pousser, ben il finit par tout casser. Fait que je me suis mis comme une petite couche de poudre rose translucide. Là, vraiment comme très pâle. Juste pour dire que j'ai de quoi sur mes ongles pour les laisser un petit peu pousser. Fait que j'ai fait ça. Puis là, ben, je voulais vraiment aller faire du plateau aujourd'hui parce qu'il fait tellement beau. Là, je suis genre à l'ombre à cause du bâtiment. Fait que le soleil est pas sur moi. Mais il fait tellement, tellement beau. Donc j'ai mes patins avec moi pour aller patiner, sauf qu'avant je vais aller laver mon auto parce qu'elle est très sale, elle est dégueulasse. Ça fait un bout que je vais y aller et puis il fait tout le temps super froid puis ça me tente pas d'y aller. Au bout de chercher mes mitaines, il manque du savon pour le corps, j'ai remarqué un matin dans la douche, j'en avais plus. Fait que j'ai pris lui à mon chum. Après ça, qu'est-ce que j'ai à faire? J'ai quelques petites choses à faire là. Ah oui, faut que j'aille porter aussi la commande des blanchiments dentaires. Parce que là il y avait quelques personnes qui voulaient que je les livre. C'est ça, j'ai tout ça à faire. Bon, fait que là, je viens tout juste d'arriver à Post Canada. Puis je vais faire livrer les petits kits de blanchiment. Puis, pour ceux qui se demandent c'est quoi ces kits-là de blanchiment, en fait, j'ai un petit highlight sur mon compte d'esthétique si jamais ça vous intéresse. Je t'explique vraiment comme qu'est-ce que c'est, combien ça coûte, qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur, comment l'utiliser, puis tout ça. Je laisserai mon petit nom juste ici si vous voulez aller voir. J'ai un highlight, là, comme je vous dis, super clair, qui explique tout. Puis, comme vous voyez en ce moment, c'est très possible de se le faire livrer si jamais vous êtes plus loin, genre vous êtes au Saguenay ou si vous pouvez pas vous déplacer jusqu'à chez moi. C'est juste à côté de chez moi, là, ça me dérange vraiment pas d'aller vous livrer pour vous. Donc c'est ça, je m'en vais faire ça et ensuite je vais au lavoter. Bien, fait que finalement, là j'étais tellement en arcane, j'étais en train d'attendre pour le lavoto, puis il y a une auto genre, en arrière de moi. Genre, elle doit tellement voir ma caméra en ce moment là. En tout cas, c'est pas grave. Fait que là finalement quand j'étais à la pharmacie chercher mes mitaines, j'ai arrêté pour acheter du papier toilette et aussi en même temps
savon pour le corps parce qu'on n'avait plus, comme je vous avais dit. Puis ben, j'ai arrêté au gym chercher un chocolat chaud, évidemment, parce que le chocolat chaud, c'est la meilleure chose au monde. J'en avais pas encore pris un aujourd'hui, donc j'avais pas le choix d'aller en chercher un. Puis après ça, ben là, quand j'ai fini le lavato, c'est la première fois que j'y vais. Genre, habituellement, je prends tout le temps un automatique, ça se dit. Genre, automatique, que, tu sais, tu dans l'auto, puis ça se fait tout seul. Mais là, je vais le faire comme manuel. Fait que c'est moi qui vais le faire. Je sais pas si ça se dit, un lavato automatique manuel. Je pense que oui, je pense que c'est comme ça que ça se dit. En tout cas, bref. Je vais essayer ça pour la première fois, puis genre, là, faut que j'attende que la petite lumière soit verte pour que je passe. En tout cas, je suis quand même un peu stressée. Mais genre, c'est pas stressant, mais à chaque fois qu'il y a de quoi de nouveau dans ma vie que je dois faire, ça me stresse quand je suis tout seule, genre. Parce que j'ai peur d'avoir la reconne puis être pognée là-dedans puis pas savoir quoi faire. Mais mon chum m'a tout expliqué comment faire, fait que ça devrait bien se passer. Puis là, en plus, le soleil il se couche tranquillement pas vite parce que là, il est 4h pile. Si je me dépêche à laver ma voiture, peut-être que je vais patiner avec un beau coucher de soleil. On s'entend que l'hiver, on dirait que le... Genre, il fait noir en 3 secondes, genre, en... il peut faire super clair puis 10 minutes plus tard, noir. Ben noir. Fait que je sais pas là quand le soleil va se coucher, mais il y a des petites couleurs dans le ciel en ce moment. Fait que c'est ça. Il y a genre 3 voitures en arrière de moi, c'est gênant. Imaginez s'ils me voient, genre en train de parler en ce moment, puis comme... Là en ce moment, j'ai juste à côté ma caméra sur un petit trépied à 3 pattes. Là. C'est comme écarté. Parce que j'en ai un qui est dur. Puis il y en a un autre qui est comme mou, fait que je peux plier les pattes. Fait qu'il est juste installé sur mon auto en ce moment, fait comme... Ça se peut qu'il tombe quand je vais tourner. Ok, je peux aller à la 4. Je suis tombée stressée. J'ai chaud. 4, 4, 4, ok, c'est à l'autre bout du monde. Elle n'est pas encore ouverte la porte, est-ce que c'est normal? La porte n'est pas ouverte. Qu'est-ce que je fais? Genre, je vais le mettre en avant puis elle va ouvrir. Mon appareil photo veut comme pas focusser tellement qu'il fait noir. Mais j'étais tellement déçue. Genre, je voulais faire du patin tout ça. Quand j'étais arrivée dans le parking, il y avait personne. Il y avait genre une auto. Puis là, il y a comme 10 autos dans le parking. Il y a plein d'enfants. Puis ah, je voulais genre être tranquille. Mais je pense que tout le monde s'est dit la même chose. Ah, 5 heures, il va y avoir personne. Puis finalement, il y a fucking de monde. En tout cas, j'ai fait du patin pendant genre 20-25 minutes. J'ai pas fait longtemps, mais en tout cas. Fait que c'est ça, puis là, je vais aller retourner à l'appartement, je vais aller souper avec mon petit chum. Lui, il game depuis tantôt, pendant que je fais mes petits trucs. Puis, ben, je pense pas beaucoup parler de ce soir, je vais sûrement faire du montage, puis sinon, ben, on va se reparler demain. Et je m'excuse de conclure demain ma journée, hein, on voit pas grand-chose. Mais c'est ça, merci d'avoir suivi dans ma petite journée, et on se voit demain! Petite seconde. Qu'est-ce que t'as dit, mon amour? Voudrais-tu arrêter de parler 2 secondes? Pourquoi? C'est pas que je blague. Non, non. Ben, je vais continuer de parler vraiment longtemps parce que ma blonde a pu faire un vlog. Fait que. T'es tellement tannant! Fait que là, je viens de terminer. Galère la parole, blablabla. Mon cours. On a 2 heures. Son cours. Ah, t'es tannant, là, arrête! Arrête! Bon, alors je disais que pendant... Arrête, s'il te plaît! S'il te plaît! Sinon, je t'appelle plus de la journée.
Ah ouais, tu me parleras plus de la journée, tu vas me coller. Je vais te mettre à scotcher sur la bouche. Arrête pour vrai. S'il te plaît, 2 minutes. Fait que bon, là, deux pendant mon secondes, cours, j'ai reçu ma commande de chandelles. J'avais commandé des chandelles il y a à peu près. Des diamants. Je vais aller vlogger dans la chambre hey, en hey, paix. C'est ce que... Ok, fait que là, j'allais dans la chambre parce que je n'étais plus capable de mon chum. Donc, ce que je disais, c'est que j'avais commandé juste avant Noël des chandelles de Charmed Aroma. Je sais pas comment le prononcer, mais je vais l'écrire juste ici. Puis, je trouvais le principe bien nice. Vous savez sûrement déjà c'est quoi, c'est des chandelles que quand vous faites brûler, ben il y a soit un bracelet, il peut y avoir des bagues aussi à l'intérieur. Je sais pas s'il y a d'autres sortes de bijoux. Je pense collier, bracelet, puis bagues. J'en ai une comme ça, une petite bleue pour vrai. L'emballage est vraiment cute, là. Puis, ils sont full bonnes. J'ai hâte de les brûler. Puis après ça, j'ai commandé aussi celle-là, la Winter Cranberry. Ça sent trop bon. Puis elle a des petites mèches comme ça. Puis là, elle a fait un peu Noël. Parce que je l'avais acheté avant Noël. Elle sent genre la cannelle, genre le pain d'épices, tout ça. Ça sent vraiment Noël. Fait que ça va me mettre encore un petit peu dans l'ambiance de Noël, même si c'est terminé. Puis justement, en parlant de Noël, il faudrait que je défasse mon sapin parce que je ne l'ai pas défait. Puis j'ai lui dans mon salon, puis lui dans ma salle d'esthétique. Fait qu'on va défaire ça ensemble au courant de la semaine. J'ai bien hâte de voir les petits bijoux à l'intérieur. Puis elle est en mèche de bois, là, comme ça. Fait que c'est vraiment trop cute. Ils sont tellement belles. Puis je l'ai dit combien de fois qu'ils sentaient bonnes, puis qu'ils étaient belles. Oupsie. J'ai pas encore déjeuné, j'ai vraiment juste comme. Comme vous avez vu à matin, là, j'ai eu mon cours à 9h jusqu'à 11h, puis après ça, ben là, j'ai pas tant faim. Je pense que je vais manger juste pour dîner. Je vais voir qu'est-ce que je vais manger. Puis après ça, j'ai un autre cours en ligne. Là, j'avais un cours de bio ce matin, puis là, tantôt, j'aurai un cours de maquillage. Fait que on va comme reparler pour l'examen, puis tout ça, parce que j'ai les examens sont le 18 et le 19. Puis c'est mes examens de fin de session, parce que là, à cause de la COVID, tout a été comme reporté. Là. J'étais censée terminer. Avant Noël, puis finalement, ben, je n'ai pas encore terminé ma session. Je vais avoir mes gros examens de fin de session qui s'en viennent. Fait que au courant de la semaine, il va falloir que je continue à étudier. Donc, c'est ça pour mes petites chandelles. Puis ben moi, je vais vous. Je suis en blame. Parce que moi, je vais vous updater là-dessus au courant de la journée, voir qu'est-ce que je vais faire. Oh, il y a de la belle petite neige dehors. Demain, je vais aller faire du ski, j'ai trop hâte. Puis là, genre, il y a un petit peu neigé. Fait que ça devrait. Être mieux dans les pistes parce que quand j'étais allée au Vali, il y avait beaucoup de roches, beaucoup de glace parce qu'il n'y avait pas neigé depuis un bout. Là. Donc j'ai bien hâte de voir. Là, je m'en vais au Mont-Bellu. C'est la première fois que j'y vais. Puis pour ceux qui n'ont pas suivi mes stories sur Instagram, ben, j'ai appris à faire du ski il y a pas longtemps. J'étais allée au Mont-Vali, puis j'ai passé 2 jours là-bas à faire du ski. Puis j'ai appris tout seul parce que mon chum faisait du snow. Fait que. Je savais pas partout comment faire, puis j'ai juste comme regardé les autres comment ils faisaient pour essayer de m'arranger à être capable de me débrouiller. Puis finalement, ça a comme super bien été, là. J'ai fait plein de pistes, on avait des happy pour vrai, là. J'étais sûre que j'allais mourir. Quand que j'étais arrivée devant cette piste-là, ben ces pistes-là, il y en avait vraiment beaucoup. Je vais vous réinstaller parce que j'ai mal au bras. Quand que genre, j'arrivais dans. Parce qu'on a fait les faciles, là, au début, genre les familiales, puis tu sais, quand que j'ai commencé à comprendre le principe après quelques descentes. Là, on est allé faire les plus difficiles. Puis, on est en avion, on était à pic, là, en descendant d'elle-même. Puis, il y avait beaucoup de boss. Tu sais, c'est une pente à boss. C'était vraiment. Fait que ça me stressait quand même beaucoup. J'ai réussi à la descendre. Puis, après avoir descendu ça, c'était comme tout plat. Tout était beau. J'étais genre, oh, bon, ben parfait. Tu sais, j'ai fait le plus difficile. Puis, là, après ça, c'est tombé, genre, à pic, mais d'un coup. Puis, à pic pendant longtemps. Tu sais, avec les boss, c'était à pic, mais pas trop longtemps. Quand même un long bout, mais là, là, là c'est à pic, mais vraiment, vraiment sur une longue distance. Fait que ça m'a quand même pris du temps à descendre, parce que tu sais, je freinais à chaque fois, puis je zigzaguais pas mal, là, je descendais pas tout droit. Là. Il y a des petits kids de genre 4 ans, sont hauts de même, ils descendent, fou, mais non. J'ai vraiment été très lentement, en tout cas, ça s'est super bien passé, puis la dernière journée, genre, je suis quasiment pas tombée, puis j'ai fait des difficiles. Alors, je suis bien fière de moi. Tout ça pour dire que là, ben, j'y retourne demain. Puis je m'en vais au Mont-Bellu tout à l'heure, que là-bas c'est quand même plus petit. Ça m'inquiète pas tant, je devrais être correcte pour vrai. Puis là, ben, je pense que je vais allumer ma petite chandelle comme ça parce que j'arrête pas de la sentir depuis tantôt pour comme vous expliquer l'odeur. Et ça me donne vraiment le goût de l'allumer, donc je vais aller faire ça. Bon matin tout le monde, j'ai allumé ça matin. Je sais pas comment j'ai dormi. En tout cas,
Bon matin. Ouh, c'est blanc. Là, j'ai fait une petite exception ce matin. J'ai mis mon heure à 9h du matin parce qu'hier, on a écouté un film, en fait, la série que je vous parlais qu'on a commencé à écouter, mon petit chum. Puis finalement, ben, genre, il était rendu 9h du matin. Fait que je me suis dit, oh, on va se réveiller à 9h. Faut que j'aie au moins un petit 8h de sommeil. Puis je m'excuse le bruit de fond, c'est mon chum qui se rase la barbe. Parce que je lui ai demandé de le faire parce que je vais laver la salle de bain. Puis ça n'entend pas de laver la salle de bain, puis après ça, il y a du poil partout. Fait que là, il va faire ça. Puis je vais aller laver la salle de bain. Puis ça, j'ai les décos. Que je vais ôter des décos de Noël. Je lui ai plein de petits trucs, fait que je vous apporte avec moi. Puis là, pour la salle de bain, pour moi, je me mélange d'un peu n'importe quoi, puis j'y vais. Genre, je calcule pas les quantités. Je mets du vinaigre, du savon à vaisselle, avec un peu de bicarbonate en dessous, puis ça enlève tout. Ça devient brillant, ça devient tout beau après, fait que. Puis je mets de l'eau chaude, là. Un beau petit mélange. Ah, il y a un morceau de lasagne. Oh, j'en ai tellement. J'ai de quoi? Il y a un morceau de lasagne, il est à toi. Oui, moi je l'avais pris pour la job hier, finalement je l'ai pas pris. J'ai tellement mis de l'eau de javel là. Ça va sentir partout dans l'appart. Je l'ai échappé. C'est-tu grave si j'en ai mis là-dedans? J'en ai eu un beaucoup. C'est comme du chlore, fait oui. Parce que à la place de mettre juste un bouchon, genre. Pff, ça a tellement coulé. Mmh. Hey, c'est tout du stock qui peut t'arriver. On refait le mélange. Ouais, qu'on refait le mélange. Wow, c'est tout brillant, tout beau. Alors, je finis mon nettoyage et on se repart. Bon, j'ai maintenant fini de nettoyer la salle de bain. Puis là, je voulais faire un ménage de tous mes produits parce que pour vrai, ça déborde, là, genre. Il y en a beaucoup trop, fait que je vais faire un gros tri de ce que j'utilise plus. Puis, c'est ça. Et fait que je vous ai mis sur le rebord du bain. Je m'excuse tellement, ma vieille toque. Puis, je vais juste tout vider. Dans le fond, moi, comment que j'ai trié ça, c'est que mes nettoyants sont en haut. Tout ce qui est la première étape, les nettoyants, les masques, les exfoliants. C'est pas mal tout ça qui est là. Après ça, ici, j'ai après. Fait que les lotions, crème, sérum, contour des yeux. Après ça, j'ai cheveux. Puis après ça, j'ai pour le corps. Fait que c'est comme ça que j'avais trié mes trucs. Fait que je vais juste les sortir. Puis je vais les replacer de la même manière. Puis là, je me suis refaite un bol d'eau avec du savon. Pour que, avec une nouvelle guenille, n'inquiétez pas, je vais prendre la même guenille pour nettoyer la toilette. Parce que la poussière se ramasse tellement sur mes produits, là. Ça n'a pas de sens. T'sais, j'ai beau les utiliser, genre, je vais pas comme toucher au couvert tout le temps. Ça me tombe genre ce masque-là, là, je l'utilise tout le temps, puis genre il y a tellement de poussière dessus. Fait, je sais pas, ça se ramasse vraiment facilement. Donc je vais tout enlever, je nettoie mes produits que je garde. Tiens, fait que j'ai tout enlevé ces produits-là, ça a fait quand même beaucoup de place. Là, j'ai même rajouté les produits aussi à mon chum pour que ça rentre dedans. Puis habituellement, là, c'était coincé, genre j'avais plus de place, puis là, il y a vraiment beaucoup d'espace. Pour vrai, genre c'était le bordel, là, checker l'espace qu'il y a en arrière, là. J'ai jamais eu autant d'espace. Il y a de l'espace partout. En tout cas, ça en fait du bien. Je suis partie travailler, fait que je vais défaire le sapin, le beau sapin ici, ben beau. C'est le premier sapin que je me suis acheté à vie. Puis j'ai acheté quelques petites décos juste pour dire, fait qu'il est pas tant fourni. Fait que ça devrait pas prendre tant de temps à défaire. J'ai genre mis quelques petites boules. Fait que, let's go. Thank you.
terminé, fait qu'on a plus de sapin. C'est tout vide. Fait que là, j'ai remis le meuble avec tous les trucs à mon chum. Faudrait qu'il fasse un ménage là-dedans. C'est le gros bordel. Moi, j'ai fait le ménage dans toutes les garde-robes, tous les frigidaires, tout. Partout dans l'appart. Mais lui, son coin bureau, là, pas mal en bordel. Puis là, ben, avant ça, il était comme collé là, puis on avait une plante là. Avant d'avoir le sapin. Puis là, je l'ai tassé un peu comme ça. On dirait que ça fait un peu plus d'espace. En tout cas, je sais pas trop comment que je vais installer ça. Si on remet une plante, c'est sûr qu'il va manquer des cordes un peu de déco parce que là, c'est un peu vide, plus de sapin. Puis, ben, notre ventilateur là, c'est quand on accroche le linge. J'ai mis le rack en arrière, comme ça, il est caché. Puis, parce que là, il était comme entre, mais il était ici pendant que le meuble était collé. Fait que là, je l'ai caché en arrière. Fait que c'est ça que ça donne pour l'instant. Fait que là, j'ai tout mis mes décos là-dedans, dans mon gros sac. Il y a juste mon petit sapin comme ça de ma salle d'esthétique. J'ai ôté toutes les décos aussi. Il va juste manquer à ôter les cannes de Noël. Après ça, il faut que je plie ça puis que je le range dans l'autre gros sac. Bon, fait que je viens de tout ranger. Il va juste rester ce sapin-là, mais là, j'ai pas le temps. J'ai tout rangé dans le même sac, là, toutes les décos, mais j'ai juste pas rangé le sapin parce que là, je vais me préparer vu que je pars faire du ski avec mon ami. Puis, dans le fond, on s'en va au Mont-Bélu à 4h30. Fait que je pense que ça prend genre 15 minutes de se rendre d'ici où que je suis. Là, il est rendu 3h40. Fait que c'est ça, je vais me préparer. Puis, qu'est-ce que je voulais dire? Ben c'est ça, je vais partir après ça pour aller faire du ski. Puis là, ben, avoir un casque avec une grosse toque comme ça, ben ça marchera pas. Fait que ce que je vais faire, c'est que je vais me faire une tresse, mais j'ai les cheveux vraiment gros. Fait que par chance... tout va être caché, ça paraîtra pas. Fait que je vais me faire casser une tresse. J'aime ça tout le temps faire ça, genre quand je m'en vais dehors, quand je vais faire du patin, quand je vais marcher, parce que je trouve si je me laisse juste les cheveux détachés, ils sont tellement longs qu'ils restent tout pognés, puis oh, ils se mêlent vraiment facilement, là, vu qu'ils sont fins. Hein. Fait que un petit coup de vent, puis c'est fini. Fait que imaginez en ski. Fait qu'en tresse, je trouve que ça reste comme. Tu sais, ça se mêle pas, là. Fait que quand je devais ma tresse, ils sont tous beaux. Pis c'est moins de la merde en traitonnée, sinon là, je vous jure, j'ai des cheveux partout dans la face, pis ça devient trop agaçant, là. Il y a un coup de vent, ça me renvoie dans la face, ça se mêle tout. Bref, la tresse, c'est la parfaite couette pour aller dehors. Allô tout le monde, fait que là, il était 55, je pensais que ça prenait 15 minutes, on s'est donné rendez-vous à écart, pis c'est 24 minutes. Fait que j'arrivais genre 5 minutes en avance, en retard si je pars maintenant. Puis là, ben, j'ai comme pas apporté ma caméra, j'ai juste apporté mon ciel. Donc, je vais essayer de filmer un peu quand que je vais descendre. Mais je vous garantis pas grand chose. Mais bref, je pars, j'ai tout mon stock. Allô, à date, ça va super bien. Je sais pas, il est rendu quelle heure. Je pense qu'il est rendu genre 6 heures. Puis pour vrai, genre, les pistes sont tellement faciles. Là, genre, toutes ceux qui sont ouvertes, on les a faites. Pis ça équivaut même pas aux pistes difficiles, aux valises, genre, aux valises, aux pistes familiales. Genre, j'avais fait des pistes familiales au début aux valises, pis comme, c'était tellement plus à pic, pis plus tough, pis plus long aussi, genre. Pis là, c'est vraiment des pistes petites, fait comme, je trouve ça tellement facile. Genre, les pistes ici, au Mont-Bélu, c'est comme les bouts de pistes aux valises qui sont plus faciles. Genre, mettons que tu fais familial, pis là, ça devient un petit peu plus plat, un petit peu, genre, moins à pic, t'es comme, ouf! Prends un petit robot parce que ça a été fucking epic. Ben ça c'est ici genre c'est ça partout. Bon, fait qu'il est 19h06. Puis on vient de terminer de faire tout ce qui est du snow. Puis ça a vraiment bien été pour vrai là, genre c'était vraiment des pistes faciles. Mon chum me l'avait dit puis je m'attendais pas à ce que ça soit autant facile. Genre j'ai zéro tombé puis j'allais fucking vite accompagner les autres fois. Comme je vous disais, pour vrai genre les pistes que je faisais étaient tellement plus à pic avec des bosses pis comme tu sais c'était vraiment genre plus tough là, un autre niveau pis ça c'était genre vraiment facile, c'était plus facile que les familiales que... mais je suis bien contente d'être venue pis genre là je retourne vendredi avec mon chum, là il travaillait ce soir comme je vous ai dit, là il est parti à 3h fait que c'est ça, moi je m'en vais chez moi, je vais finir mes petits trucs que j'avais commencé, le sapin pis tout ça, pis là en ce moment j'ai tellement genre les orteils. J'ai mis chauffage à mes pieds, mais encore bien, je l'ai. En tout cas, c'est ça, je vous reparle tantôt. Je suis revenue à la pâte, puis là, je me suis faite. J'ai réchauffé la pizza qu'on avait faite l'autre soir. Puis là, j'ai vu dans le frigidaire qu'il restait du blé d'Inde, fait que je vais manger ça. Puis je vais me faire un beau chocolat chaud parce qu'après toute activité dehors, c'est tout le temps un chocolat chaud. Tout le temps.